Chanel, bon Dieu quand même là, bon Dieu papa, t'es recevoir dans l'église, là, au baptême. Et t'es accepté dans le peuple sacré. C'est avec mon bon cœur, ça, je dis, il y a un ouvert bras pour y accueillir, dans le cœur posé, pour le faire entrer dans le pays, pour tes droits. In the waters of baptism, Jan died of Christ and water came to new life. And she now shares with me eternal glory.
A perfect wife and mother, who can find her? She is far beyond the price of pearls. Her husband's heart has confidence in her. From her, he will receive much. Advantage and not hurt she brings him all the days of her life. She is always busy, and she does her work with eager hands. She finds her labor well worthwhile. Her lamp does not go out at night. She holds out her hand to the needy. Snow may come. She has no fears for her household. With all her family close, she opens her mouth. She does so wisely. On her tongue is kindly instruction. Her children stand up, proclaim her blessed. Her children stand, her husband too, sing her praises. Many women have done admirable things, but you surpass them all. Charm is deceitful and beauty empty. The woman who reveres the Lord is the one who prays, the one to praise. Give her a share in what her hands have worked for, and let her life tell her praises for all. The word of the Lord. Thanks be to God. Rien ne saurait
I have fought the fight and finished the race. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. As for me, I am already being poured out like a libation. The time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, a merited crown awaits me. On that day, the Lord, just judge that God is, will award it to me, and not only to me, but to all who have looked for God's appearing with eager longing. But the Lord stood by my side and gave me strength, so that through me the preaching task might be completed, and all nations might hear the gospel. That is how I was saved from the lion's jaws. The Lord will continue to rescue me from all attempts to do me harm, and will bring me safe to the heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. C'est un moment qui toujours fait notre peur.
toujours connaît, c'est un moment qui a passé, soleil a gagné pour le tourner le vie. C'est même la gare. À que nous perdons un monde qui est cher pour nous. Nous sentons que nous troublons. Nous demandons comment demain habiller sans présence de monde. Dans le moment ça, nous ne sommes pas capables de faire l'autre bagaille qui remet en lieu sa vivre. Les mêmes qui viennent être sensibles, mais pas jamais abandonner. When we experience a silly storm, the clouds are dark and gray. The wind in rage is raging. The rain is relentless. And the thunder and lightning are frightening. But we know that it will eventually moon off and the sun will come out again. Similarly, when we lost a loved one, we are at a very low point. Our soul is deprived of peace and our future seems lost. At times like that, we come before the Lord because we know that His favors are not exhausted and His mercies are not spent. Je dis à ça fait la peine de nous songer, jamais pas capable de nous encore. Les pas capable de nous bonne nuit encore. Nous pas capable de manger, bon petit manger, et qu'on nous prépare. Les pas capable de faire nous rire encore. Nous sommes capables d'accompagner vers la ville de la messe samedi soir. Ça fait mal. Mais nous connaissons sa bon Dieu réservé pour nous. La vie qui va jamais finir. It is sad. When we remember that Janet can no longer hold our hand, tell us good night or laugh at our joke. It hurts. But we know what follows this life. That is eternal life in Christ. Concernant mes funérailles, je dis, c'est une invitation pour nous surmonter tout chagrin, tout désespoir. Parce que, avec mon Dieu, pas de cas qui perdu. Ta poussée pour dire nous, toute bagaille qui arrive, l'arrive pour bien, si là y'a qui croit. Pas de rien qui est capable de séparer nous après même mon Dieu gagné pour nous, non Jésus-Christ. Ni souffrance, ni la mort, rien. Pas capable de séparer nous après nous ça. Our funeral mass today is a challenge to all of us to rise above our grief and despair. For when we bring the vision of God into whatever we are going through, we are not without hope. That's what St. Paul tells us in his letter to the Romans when he said, nothing can separate us from the love of God. Neither suffering, nor tragedy, nor death. Au lieu qu'on t'a découragé, moment difficile ça, doit plutôt renforcer la foi dans le même bon Dieu pour nous, et dans la parole de Dieu. Je dis à inviter nous pour nous gagner la foi. Même Jean était fait ça pour disciples,
dans un moment difficile, leur t'a séparé à rien. Puis il dit, pas quitter le cœur, non, pour le verser. Croyez dans mon Dieu, et puis croyez dans moi tout. Moi, je vais aller, mais si on place, moi, je vais aller préparer. Seul frère Mio, Jésus demandait aux disciples pour te faire un bagage qui était très difficile. Pour y aimer la foi dans mon Dieu, malgré pas qu'il n'y ait aucun signe qui t'encourage la foi. Pour ça, nous avons besoin de prendre une foi par la parole de Jésus. Pas quitter le cœur pour le verser. Croyez dans mon Dieu, et puis croyez dans moi tout. Moi, je vais le préparer. Moi, je vais aller. Mais si on passe, on va le préparer. My brothers and sisters, instead of holding us down, this difficult time must reinforce our conviction in the love of God for us and in His word to us. Today, He calls us who have faith, as Jesus had done for His disciples when He was about to leave them. Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. I am going to prepare a place for you. Jesus was asking His disciples to do a very difficult thing, to retain their faith in God, even when everything seemed against it. So we need to hear once more the words of Jesus to us today. Do not let your hearts be troubled. You have faith in God. Have faith also in me. Son premier parole, Jésus, c'est vérité. Les quitter terre, il y a un papa, c'est pour le préparer aux places. Pour jamais. Pour le préparer en place pour vous-même, pour le préparer en place pour moi-même. So in the midst of your pain today, I invite you to call to mind that God has a purpose for each of us. He is the only one who can see into our soul, discerning there how we may play our part in the work of salvation. Brothers and sisters, particularly his hurt pain, Janine family, let these words be your consolation in this time of sorrow. Let us take Janine's death as a wake up call to all of us. Let us remember St. John Cardinal Newman's words. Life is short, death is certain, and eternity is long. I feel challenged by these words, and I hope you to feel the same. These words challenge me to ask myself some important questions about life. Why has God created me? Why has He gifted me with skills, talents, times, and treasures? How am I using them? Moi, je vais rappeler nous, la vie par notre bagage, que ensemble de choix que nous faisons. Choix ça y est, il est capable de porter la vie. Choix ça y est, tout, il est capable de détruire la vie. Ça veut dire, au monde, c'est pas, il y a une fois, il y a une heure, dans le moment où ça a été, j'en mon nom mourit, mon mourit chaque jour, minute par minute, dans le genre, dans le mauvais choix que je fais dans la vie. Et nous disons, Dieu merci, je dis, parce que Janine, nous connaissons comme tout humain, elle a fait un mauvais choix, mais elle a fait un bon choix dans la vie.
Et nous disons Dieu merci pour tout mon choix ça a été fait dans la Bible. Et ce choix ça de quitter pour nous comme héritage. Ce choix ça est bien gagné pour nous, pour nous, nous faire dans la vie, nous, qui est capable de faire hommage que nous apprenons au niveau de Yéla, qui est capable de gagner sens. While we continue to pray for the repose of Jan's soul, let us also carry in prayer those for whom Jan's death left a painful void. Her husband, Louis J., her children, Mary Morning, Mabel, Louise, and Julie, her grandchildren, her sisters, and all her close friends. May the Lord bring them consolation and strength in this time of sorrow. Let us also pray for ourselves, that as Jesus follows, we may always strive to take part in his mission, bringing life to the creation and those around us, so that we will be ready to answer to God's call at any time it happens. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her forever. May she rest in peace. Amen. I invite you now to please stand. Brothers and sisters, Jesus Christ is risen from the dead and sits at the right hand of the Father, where he intercedes for his church. Confident that God hears the voices of those who trust in the Lord Jesus, we join our prayers to His. Our response is, hear our prayer. In baptism, Janine received the light of Christ. Gather the darkness now and lead her over the waters of death. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Our sister was nourished at the table of the Savior. Welcome her into the halls of the heavenly banquet. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Those who trusted in Lord now sleep in the Lord. Give refreshment, rest, and peace to all whose faith is known to you alone. Lord, in your mercy. Hear our prayer. The family and friends of Janine seek comfort and consolation. Heal their pain and dispel the darkness and doubt that come from grief. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We are assembled here in faith and confidence to pray for our sister. Strengthen our hope so that we may live in the expectation of your Son's coming. Lord, in your mercy. Hear our prayer. God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of your people. Hear the prayers we offer you today for Janine and for all our devoted brothers and sisters. Cleanse them of their sins and grant them the fullness of redemption. We ask this for Christ our Lord. Amen. Please be seated. Je m'abandonne.
don à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains et d'être près de toi. Accepte mes souffrances, mes jours sans espérance, et ce désir si dense que tu sois intense et que je sois loin. Je m'abandonne à toi. Thank you.
Ensemble avec cette morte,
Nous sommes toujours à la prière dans le pays où nous sommes sur le coin. Grand-mère, t'en prie, pour être cadeau, ça va nous tourner vite bien avec vous, pour que tout le monde vous ait pu jouer une délivrance. Elle l'église qui envoie à ce théâtre, toujours bien assurée sur vous. Elle gagne confiance, elle règne. Ensemble avec Papa François, ensemble avec Monseigneur John, ensemble avec tout le Monseigneur, ensemble avec tout le Père, ensemble avec tout le cœur pour sauver. T'en prie, pour te prier, famille, on va la prière dans le pays où j'en vous t'ai prié. Papa qui a un bon cœur, fait toute petite rigaille, tout côté de mettre tes têtes ensemble. Songez Janine, ou relevez du moyen. T'en prie, même Jean, petite ou à lever, faites lever tout. Le mort va lever bien vivant. Le corps qui t'a passé misère sous terre, la vie belle, tant que le corps Jésus-Christ, après il était levé. Songez tout défunt, prie avec soeur, nous et tout. Ensemble, tout l'autre monde qui t'a fait au plaisir de la vie sous terre. Pour Jean Bon, fais une idée pour te recommander. Nous gagnons l'espoir d'avoir ensemble avec lui, dans belle vie au bout de temps. Le roi souillé tout le long de mon Dieu, n'a oué aux gens où il est, n'a même Jean avec nous au bout de temps. N'a toujours fait louange pour, pouvoir Jésus-Christ grand maintenant, qui fait nos cadeaux tout ça qui nous. Bon Dieu, papa, nous, même qui gagne tout le pouvoir et qui fait une avec l'Esprit Saint, c'est pas pour voir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est au nom de lui, où je vais toute qualité de louange, à compliment, depuis tout le temps et pour tout le temps. Amen. Invitez-nous pour nous tremper. À des séries comme elle, elle fond dans la Bible, by teaching, we dare to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Remettons, prie, souple, délivre-nous à tout ça qui mal. Fait que nous posons pendant toute la vie, nous. Aidez-nous pour j'en ai mon cœur. Délivre-nous d'être à tout péché, nous. Et protégez-nous pour qu'un mal ne va arriver. N'a pas espéré bien pour maintenant en sauveur de Jésus-Christ comme fini. Jésus-Christ, grand-mère, c'est vous-même qui dédié à vous, vous m'avez appris à nous bien vivre ensemble, c'est ça, moi, bien pour tes bonnes. Tant qu'il n'y a pas gardé sous péché, je garde plutôt dans l'église ou à quoi, non? Nous demandons nous bien vivre comme une veille, une jambe, ou même qui vivent et qui voient depuis tout le temps et pour tout le temps. C'est pour que l'homme est là, pour nous bien vivre ensemble. C'est pour les toujours avec nous tous. Et avec nous tous.
te entrar. Have heard my people cry. Oh, would you dwell in doubt and sin? Parole, c'est parole qui baille la vie.
Crois en Jésus-Christ qui levé à qui semence la vie qui va bien finir. Fais-nous croire que bon Dieu, pour cette qualité qu'a nous saillé, où est déjà l'une qui te croit en haut, en bas pour voir l'homme, et où mettez-le ensemble avec Jésus-Christ, grand frère, nous, dans la vie, qu'un contact, qu'un posé pour promettre nous, par pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous. Amen. Before we go our separate ways, let us take leave of our sister. May our farewell express our affection for her, may it our sadness and strengthen our hope. One day, we shall joyfully greet her again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Amen. Pour l'IA, nous allons mener Janine dans la place, côté la terre, pour reposer.